Donc on va regarder ensemble le setup de la Mustang Ford en groupe 3. Oh, excusez-moi, il y a la télé à côté, c'est pas grave, hein. Voilà, allez. Donc voilà, la contre-traction donc 0. Elle tient plutôt bien, plutôt stable hein, quand même pour une groupe 3. Voilà, donc contre-traction à 0. Niveau répartition du freinage, donc les freins à l'avant sur moins 2. Voilà. Au niveau de la hauteur de caisse, donc 75 à l'avant, 105 à l'arrière, pour la répartition de basse, évitez de mettre la hauteur de caisse trop basse à l'avant, sinon vous allez avoir des problèmes d'instabilité au niveau des entrées de virage. Hein. Donc 75 c'est parfait, 105 à l'arrière. Voilà. Niveau de la fréquence naturelle, donc 2,80 et 2,90 à l'arrière. Donc une certaine rigidité quand même pour l'avant, voilà, pour éviter les problèmes d'instabilité. Voilà. Dans l'idéal. Ce qui serait bien, c'est quand même de mettre la fréquence naturelle plus souple pour avoir une meilleure entrée dans les virages et mieux tourner. Mais du coup, si vous mettez une fréquence naturelle là sur cette voiture trop souple, vous allez voir, elle va avoir des problèmes d'instabilité. Donc 80, je vous conseille de laisser comme ça, c'est plutôt bien. Et à l'arrière, de 90, un peu plus dur. Au niveau de la barre anti-roulis pour qu'elle puisse bien rentrer dans les virages à 10. Et à l'arrière, pareil. Voilà, donc c'est pas trop mal. Au niveau de la compression, donc une compression plus dure pour éviter les problèmes d'instabilité donc dans les entrées de virage. Voilà, essayer de durcir un petit peu les amortissements. Donc 54 à l'avant, 54 à l'arrière. Et en extension, donc 86 et 86. Au niveau du carrossage, donc pas trop de carrossage à l'avant pour avoir une bonne entrée en virage et cependant avoir quand même un peu de grip. Donc 1. Et à l'arrière, pareil. 1. Niveau de l'alignement, donc moins 10 pour avoir un petit peu de grip dans les entrées de virage. Et plus 0,15. Au niveau de l'appui, 400 à l'avant. Et j'ai mis 750 à l'arrière. Donc évitez de mettre un appui trop bas, sinon vous allez voir, hein, après vous aurez problème dans les entrées de virage, hein, ce qui est naturel. Voilà, plus. Moi, vous avez d'appui, je veux dire, plus vous allez vite en ligne droite, mais cependant, voilà, dans les virages, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, je vous laisse voir par vous-même, hein. Faites des essais, vous verrez. Au niveau du couple, donc 5, voilà, étant donné que c'est quand même une voiture qui est assez lourde, qui fait 1326 kg, dans les entrées de virage, c'est vrai que je trouve que c'est pas la meilleure de sa catégorie, on va dire. Voilà, donc 5 pour avoir une sensation, une capacité de tourner. Quand même mieux, parce que si vous montez le couple, vous allez voir, sera plus réactive, mais du coup, elle tournera moins bien un peu. Vous aurez la sensation qu'elle tourne moins bien. Donc 5. Au niveau de l'accélération, 10. Voilà, pour éviter de patiner, tout simplement. Au niveau des freins, frein plutôt incisif, 10. Alors, au niveau de la boîte, vous mettez votre finale, si je me rappelle bien, c'était 4002, je l'avais mis. Après, votre vitesse automatique ici, 220. Ah, j'ai déréglé la boîte. Bon, on va la refaire ensemble. Voilà, c'est pas ce qui est le plus important. Je pense que vous savez faire des boîtes. Hein. Voilà. Donc, hop, on va la remettre comme ceci. On va la faire ensemble. Hein. Voilà. 4002. Ici, 220. Voilà. Était votre sixième comme ça. On l'a ajusté pour le circuit, je crois que j'avais mis vers 300. La 5 comme ça. Voilà. Voilà. Donc après les boîtes, hein, je pense que vous allez les faire par vous-même. Hein. Donc c'est pas trop le souci. Voilà. Donc une voiture plutôt sympa à conduire, hein, malgré que ce soit pas ma préférée dans le groupe 3. Donc voilà. J'avais pas fait le setup de cette Mustang, donc je vous le présente. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour un prochain setup. Allez, salut tout le monde et à bientôt.